va départager voilà, le troisième et le quatrième. Donc on revoit. On aura la même qualité. Voilà, la même qualité, parce que là, de toute façon, c'était du lourd. On revoit Clément et Mehdi. Yes. En trois manches. Trois manches, d'accord. Trois manches. Oh là là. On revoit les boss. Attention, pas de bobo cette fois. Les morts vivants. On va se déplacer comme ça. Mais non. Là, je suis sûr, ils sont qu'à 20% là, d'utiliser. Même, les roulants, là. Même avec une jambe, ils ont fait ouais, voilà. Allez, on va partir là pour cette, pour ce dernier match. Donc, petite finale. Qui fait durer le plaisir. Hit the road. Ad Academy. Allez, on va s'élancer là. Donc, c'est Clément qui va partir 3, en plus. Sur la plateforme de départ. Et c'est parti. Allez, on saute. On prend de la hauteur directement. Allez, Mehdi qui va se cacher derrière Titel Cube. Là, attention, ça a failli toucher. Il va falloir prendre de la vitesse. Oui, ça, Mehdi, il est très très bon pour cette vitesse. Attention, là, ça va peut-être toucher. Je ne vois plus ce qui se passe. Oh mon dieu, ça touche. Ça touche. On a quand même gratter un peu de temps là du côté de Mehdi. Là c'est ça, c'était une manche assez voilà. Longue. Manche assez longue. On va voir comment 1-0 comment pour il va Clément. Se débrouiller. Voilà maintenant, on va voir comment il va se débrouiller en tant que loup. Ah là là. Est-ce que c'est plus un loup ou une souris pour toi? Non mais là ils sont les deux sont polyvalents. Les deux sont polyvalents. Ils sont bons dans les deux rôles. D'accord. Oh là là, le cardio là, c'est vrai qu'on a quand même toute une compète dans les pattes. Ouais, tu rêves autrement toi ça? Non, je sais pas, ça dépend des gens, mais je suis Loïc par exemple, je trouve particulièrement bon. Allez, directement le saut classique. Allez, on accélère là, Clément. Attention, pour l'instant, des bons. On a un peu de distance à parcourir. Allez, Mehdi qui se rapproche. Là, va falloir tout donner. On y est proche. Ah, la touche qui va peut-être arriver. Non, on est en. Ah oui, se coince dans le coin. Incroyable. Et ça touche. Là, oh là là, non. Il se moque. La moquerie, non. Pas la position fétale. Combien le temps? Qui l'emporte? Ce set. Il a été plus rapide, il me semble. C'est Mehdi. Mehdi a été plus rapide. Mehdi qui emporte ce premier set. 2-1. C'est 2-1. 2-1. Ah, il a une revanche à prendre. Voilà, il y a une revanche à prendre. Là, voilà, voilà. Il y a de la moquerie là. Ouais, mais là, peu, oui, là par contre, il a fait une erreur. Si tu passais le virage, c'est trop éclaté. Là. Il a fait une erreur quand même, Mehdi, c'est de chercher Clément. Et Clément, il va avoir la rage là cette fois. Il va aller le chercher avec tout. Non mais il va aller le chercher. C'est pas une différence de temps du coup sur la première manche. Là vous avez 20 minutes de recul pour chaque... Non, en gros il a fait 12-25. Ah 12-25 et toi 12-68. Oh, ça s'est même pas joué une seconde quoi. 12-25, 12-68 les touches quoi. C'est des centièmes de seconde. Donc c'est vraiment rien. Ah ouais ouais ouais. Allez là on souffle là c'est... 3, si Clément n'emporte pas ce 7, ça risque de terminer là. Clément qui s'élance comme d'habitude. Entre les sisters et Loading Bear. Allez, on accélère. Attention, hein, ça touche. Ça, tout de suite, ça touche assez rapidement là. Ah, Clément qui va aller gratter ce 3ème set. Il met la pression sur Mehdi. Il met la pression. Combien? 2-2. Normalement. 6-0-4. Ah oui, 6-0-4 là. Ça, c'est le temps à battre. Hein. Ils sont là. Et voilà. Et là, il va falloir aller gratter le 3ème set. Je sens le 3ème set arriver. Ouais, je pense que ouais, ça va être compliqué là de se faire toucher, de se toucher en 6 secondes. Surtout que Clément, il temporise bon. C'est parti, Mehdi qui s'élance. Oh, ça rampe! Oh là là! Attention, ça n'a pas touché car c'est un pied, faut toucher avec la main, une touche franche, on le rappelle, attention! Ah, Clément qui assure. Aïe aïe aïe! Oh, la starter plate, il va se faire mal là! Allez, Mehdi qui se rapproche. Oh là, il passe en dessous, il passe au-dessus, il glisse en milieu. Clément qui a vraiment bien temporisé là! Allez, on avance. Clément qui passe au-dessus. Il est loin, Clément. Et là, il va, ouais, là, là, Mehdi, là, stop! Et c'est l'évasion! C'est l'évasion de Clément. Ouais, mais là par contre il gratte 2 points. Eh oui, il y a 2-0. Il gratte 2-0 sur ce set. Donc 2-1, 2-0, ça fait 3-2 normalement. Si mes maths sont bons, ça fait 3-2 pour Clément. 2-1, 2-0, 3-2. Hein? C'est ça, oui, c'est ça. Il me semble, hein? Dans l'arbitre. Ça va être désolé. 3-2 pour Clément. C'est ça. Yes. Oh là là. On commence. Du coup, il y a encore 3ème set, peut être décisif. 3ème set, s'il refait 2-1, il y a égalité hein, par contre. Comment ça marche là d'ailleurs? 2-0 pour... Ouais non mais si Mehdi par exemple, si Mehdi fait 2-1 au prochain, il va y avoir égalité. Il y aura 4-4. Il y aura une 4ème manche. Oh tu peux aller le chercher la 4ème manche. Tu peux gagner qu'avec une 4ème, c'est ça? Non, si jamais tu... Si non, si tu le touches et que tu t'évades, c'est bon. Mais par contre, s'il y a touche-touche mais que tu gagnes, et ben là tu vas à la 4ème manche. Voilà, c'est ça qu'il faut. Faut juste que tu fasses un perfect en fait. Voilà. Ouais bah écoutez, je me prends des petites libertés, ouais je suis... Je connaissais les clean games mais pas les perfects. Ouais, c'est un clean game quoi, voilà, t'as compris. Tu grattes le 2-0.
Ouais, mais pas de soucis, on peut réinventer les termes. Donc là, en vrai, tout peut jouer. Mehdi peut gagner, on peut repartir sur une quatrième, et Clément peut gagner. Donc une demi-finale, ouais, vraiment, enfin une petite finale. Je trouve qu'ils ont vraiment un niveau équivalent, je trouve ça trop dur à terminer une équipe peut s'en sortir. C'est, parce que le niveau, en plus, ça, c'est les performances, ça varie, quoi. Donc, il suffit que là, ils prennent un chouïa pas bien, la cheville qui tourne. Qui part toujours comme d'habitude. Mehdi qui prend un peu d'élan. Clément qui se rapproche là. Allez, faut aller, va falloir. Oh, ça touche. Le clean game qui ne sera pas possible pour Mehdi là. Attention, parce que là, il va falloir toucher plus vite si on veut que Mehdi termine. Si on veut gratter le quatrième set. Quatrième set, il faut aller chercher plus vite. Voilà. Faut vraiment être efficace. Là, il va falloir toucher plus vite. Hein. Voilà. De toute façon, c'est le dernier, sinon. Donc, tu peux tout donner. Tu peux tout donner. Mais tu te fais pas mal, s'il te plaît. Allez, un loup, une licorne. Va la chercher, cette licorne. On la veut. On veut le slip. Allez, c'est parti. Oh là là, très beau saut. Là, on se rapproche très très vite. Attention. Ah, ça n'a pas touché. Clément qui s'esquive. Il sort. Oh là là, Mehdi qui lâche rien. On accélère. Allez, Clément qui passe par le milieu. On a déjà 10 secondes qui ont dû être passées là. Ça n'a pas touché. Ça ne touche pas, non. Clément qui va continuer. Et là, ça va sûrement être une évasion. Ah, la frustration. C'est terminé. C'est l'évasion. Très très bien joué. Ça se permet un dab. Ça se permet un dab en plus. Clément. Troisième, Mehdi, quatrième. Oh, on va dire c'est de bonne. C'est de bonne manufacture. C'est de bonne manufacture. Les arbitres qui en ont marre de nous. Oh, bref. Là, cette fois, c'est vraiment la fin de l'événement, du coup. C'est vraiment la fin. Il a gagné son slip unicorn. Il a gagné son lot unicorn. Franchement, félicitations à eux. Ils ont vraiment tout donné. C'était très très propre. Du très spectacle. Très bon level. Merci à tous les athlètes d'être venus. D'accord, ouais. Ok, donc là, on va. Hein? On va voir la remise des prix pour le premier, le deuxième, les troisièmes. On a du lot, On a le deuxième, ouais. Tout ça, ouais. Le meilleur qui va être récompensé. Et après, ça va être la fin de cette édition là, première édition de Flight Club. On remercie quand même vraiment tous les athlètes qui ont fait le déplacement parce que Roger, c'est de rien, c'est pas la porte à côté, sauf le Jean de Coupe. C'est pas à côté pour tout le monde, il y a quelques-uns. Voilà, il y en a quelques-uns qui viennent de Montpellier, Bordeaux, etc. Donc franchement, merci aux athlètes de se déplacer. Merci aux caméramans qui sont toute l'équipe technique. Ouais, ils se donnent. Ils se donnent, ils vont avoir des sacrés coups de soleil. On a même un caméraman, si vous voulez, il a une petite coupe là. Mais du coup, d'avoir un coup de soleil, hop, que sur la frange. Et ça va être beau. C'est un style, hein, c'est difficile à porter. Mais... Voilà, ça va être là. Bon, là on voit les traceurs qui sont tous réunis là, sur la zone, c'est beau. Ça c'est stylé. C'est la réunion, mec. La réunion des mouvements de la France. Tous les styles, On va voir l'ex-organisateur, la ligue de parcours qui va donner ses lots aux gagnants.